Salut. Re. Hey Padawan, salut, salut. Ça va, j'avais besoin d'une coupure et la chaîne était toute trouvée ce soir. Ah bah cool, encore bravo pour ton Pikachu. Tu as raison, grâce à toi, Elon. Ouais, bah et bienvenue, bienvenue. Je suis désolé, pour l'instant, je suis un peu froid parce que j'ai Aaron qui est venu me casser les bonbons juste avant que je démarre, donc j'ai des crampes un peu dans le ventre là. Faut juste attendre que ça passe. On dirait qu'il est descendu exprès.
Ouais, bah oui, je comprends bien, oui, je comprends bien. Écoute, reste le temps que tu as besoin de rester. Ce soir, tranquille. Ce soir, on fait des pièces dehors. La première petite richesse qu'on trouve dans le donjon. Sofa. Eh hey, mais je suis bête, j'aurais pu mettre d'autres trucs dans ce sac. Ça aurait été rigolo. Bref, ouais, c'est pas grave. C'est trop tard. Ça aurait pu être des trucs qui ne voient rien, mais qui auraient rempli un petit peu. Je sais pas, des conneries, un doigt ou un souvenir que le gars avait mis dans sa bourse. Mais bon, après c'est toujours la même chose, c'est trop spécifique. Ouais, c'est ça en fait. Faut un truc plus générique.
Bah, en même temps, c'est que des vues assez éloignées, hein, donc faire des toiles d'araignée, c'est pas évident. T'inquiète, il y a des toiles d'araignée. Et qu'est-ce que tu crois, le Minotaure, il fait le ménage, hein? Après, je veux dire, les cartes que j'ai fait, il n'y a pas trop d'objets visibles sur lesquels on voit la poussière. Hein. Donc, c'est que des couloirs pour l'instant, des trucs assez lambda. Là, c'est vraiment le premier objet qu'on trouve. Donc, là, peut-être qu'effectivement, on peut s'amuser avec des. Toile d'araignée là. C'est une bonne idée. Refait la lecture du donjon de Noble. Ah bah oui. Ouais, c'est lequel que j'ai commencé à écouter. On m'a dit tiens, faut que tu écoutes ça. C'est dans le même genre. Un truc glacial là. C'est quoi déjà? Attends, je le retrouve. Reflet d'acide. Non, c'est reflet d'acide. Reflet d'acide, il faut que j'écoute ça. J'ai juste écouté le début, j'ai vu que c'était dans le même genre. Je pense que je streamerai pas en direct et que j'écouterai un truc. Je pense que je me mettrai ça en fait. Ah ouais, moi j'ai juste écouté le début là et j'ai juste vu que c'était le même, c'était dans la même veine. J'ai dit oh. Non mais je le crois pas. Non mais je le crois pas. Non. Non mais regardez comment il s'est renommé. Con.
Oh putain! Non! Sérieux? Je te regarde dans les yeux là. Sérieux? Toi, tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver avec ta tête à la ceinture d'un minotaure, je le dis. Ah non! Ok. Comment ça va? Tu t'es encore fait embobiner par Fabienne là. Apparemment tous les profs des 6e B étaient là. Il manquait pas grand monde. Je crois qu'Aaron a dû avoir quoi, 1 heure de perm, un truc comme ça. Bah tu sais, tant que le directeur te dit pas grève générale, c'est la merde. Les cours restent à peu près normal, hein. C'est souvent où il nous dit quasiment tous les profs sont pas là. Bon bah là d'accord mais. Bon, ce soir on fait de l'or. C'est pas celui de maison du café, hein. J'ai un mail de. Le principal. Du principal, tu veux dire? Oui, ben moi aussi je l'ai eu le mail, tu me l'as montré. Mais ça dit pas qu'il n'y a pas de prof. Ça dit qu'il y aura certains cours qui vont peut-être sauter, mais. Il parle. En général, on ne sait pas lesquels. C'est un mail général, ça, hein. C'est pas un mail des 6e C. C'est un mail qu'il envoie à tout le monde. Donc, ça nous dit pas lesquels profs sont pas là. Juste un mail pour te dire que ben c'est possible qu'il y ait des cours qui se fassent pas à cause de la grève. Bon après vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a déjà suffisamment de cours qui sautent déjà de base.
la 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 la. Bon, il est vieux et usé, hein, ce sac, hein, je vous le dis. À mon avis, ça fait un petit moment qu'il est là.
Hey, Dame Bert, comment va? T'as réussi à dormir un peu?
bon, j'ai pas réussi à dormir, il y a des fortes chances que je me couche à minuit français. Ah ah ah. Bah écoute, tu verras bien. T'es bien ici avec nous de toute façon, hein. C'est le meilleur endroit, hein. Tu peux faire des fleurs avec ta tablette en attendant. Plus j'avais un rendez-vous encore à l'hôpital, mais avec une personne qui me pour me soutenir mentalement. Ah oui, effectivement, ça fait du bien de vider ce que l'on a sur le cœur, tu m'étonnes. Je viens de voir, Manuel Louvre, que dans ta chatbox, tu es bleu et verte dans le chat. Manu change tout le temps. T'as changé de couleur depuis ce matin? Je pense pas que Manu ait changé de couleur, je pense pas qu'elle ait non plus... remis ou enlevé son badge artiste. Je sais pas, je vais essayer un truc. Je vais te l'enlever et je vais te le remettre. Alors, voyons voir. Tatata. Communauté. Gestion de rôle. Ok. Alors, Manu. Manu Lalouve. On va t'enlever ton badge d'artiste. Supprimer Manu Lalouve en tant qu'artiste. Oui. Oh, mon Dieu. Alors maintenant, j'ai un nouveau badge d'artiste à attribuer. Donc, ajouter. À. Attends, non, c'est pas ça. Annuler. Ta-ta-ta. Bam. Et je le remets. Alors. Est-ce que ça change quelque chose? Peut-être juste rafraîchir? Ça marche? Bon, chez moi, ça change pas grand-chose, mais... ça charge, pardon. Ça change pas grand-chose sur ma chatbox. Hein. T'es toujours sans badge. Donc ça a pas l'air de marcher beaucoup.
Il y a vraiment qu'il y a un truc qui est coché pour pas l'avoir. Ça a juste changé la couleur. Okay. Donc en gros, Twitch s'amuse à changer la couleur, quoi. Bon, c'est bon à savoir. Tu ne peux pas faire une lanière un peu plus vieillotte sur le sac? Ah, si, je me suis pas encore occupé de la lanière. Ah, si, je vais lui mettre une petite couleur un peu plus. Oui, j'ai pas encore, t'as raison. Déjà, on va lui changer la couleur. Tous, t'es parti? Hey Melibic, comment ça va? Salut. Ah, tu disais bonjour à Melibic, ok. Et sur le côté du cuir un peu en lambeaux, oui, madame, oui, madame. Tout de suite, madame, je change la couleur d'abord. De texture dessus. Comment ça va tout le monde? Ça va.
dans ma zone mood, bizarre, ni heureux ni triste. Ouais. T'as qu'à dessiner. Dessine avec nous. Tu vois, par contre, je suis en train de penser, là, il y en a... Je sais plus qui a dit, mais une araignée. C'est une bonne idée, mais pour une autre carte. Parce que justement, dans les événements, il y a une carte araignée géante. Je pense que ça pourrait... Bon, là, pour le coup, c'est une araignée géante, donc ça sera un peu ridicule, mais... Comme à chaque fois qu'on tue un monstre, on récupère un peu de sous. Je me disais, ce serait bien que l'araignée soit sur justement soit sur un truc où il y a de l'or dedans. Comme c'est une carte unique. C'est stylé comme idée, mais beaucoup de gens ont peur de ça, et le dessiner en grand sur une carte, ça va être vraiment trop pour eux, non? Ah ben oui, mais là, faut un petit peu d'adrénaline, hein. Araignée géante fait partie des monstres à combattre, hein. Perso, moi je préfère une araignée géante qu'un minotaure. Serpent géant ou un scorpion? Alors, il y a un cafard géant. Et pas mal de bestioles vraiment dégueulasses dans les catacombes, par contre. Les deux te mangent. Là, dans le paquet événement, je crois qu'en en bestiole dégueulasse, il y a un cafard géant et une araignée. Après, c'est des petits trucs sympas comme un chien de garde, un gobelin.
te rassure, hein, je vais faire les cartes en sorte que, quelle que soit la carte que tu vas avoir, tu vas avoir un petit temps de bug. Et en fait, je crois que ce que je vais faire, ce qui pourrait être sympa visuellement, c'est que toutes les bestioles avec un point de vie, je vais les faire, tu sais, ces petites bestioles dans le couloir, machin. Et en fait, plus les monstres sont balèzes et ont des points de vie, et plus ils vont se rapprocher en fait, plus ils vont être gros sur la carte. Je pense qu'on va faire ça. Pour vraiment montrer, tu sais, l'imposance du truc. Mais faire un trou dans le sac avec quelques pièces qui sort pour le prochain. Je pense pas que j'ai refaire un sac. De toute façon, ce sera le seul sac que je vais faire. Sinon, je vais me répéter un peu. Puis c'est. Je pense que le prochain, ça va être entre deux dalles, comme on avait dit là, ou sous une dalle. Ensuite, ça va être dans une cruche cassée. Et après, j'aurai 100 pièces d'or. Donc là, pour les 100 pièces d'or, peut-être qu'on fera un petit coffre. Je sais pas, on va voir. Non, j'avais dit que les coffres, je vais les garder pour les trucs un peu spéciaux. Des trucs un peu plus génériques pour les cartes aventure. Il faudrait que j'éclaircisse un peu parce que je trouve que c'est sombre là, je sais pas trop pourquoi. Configuration. Pourquoi c'est sombre comme ça? Pourtant c'est sur. Là c'est trop clair. Là c'est mieux. Ok. Il faut faire répéter, c'est pour les autres. De quoi qu'il faut faire répéter? Répéter. C'est ça? Petit jeu de mots? Répéter? Pour les pièces. Oui, pour les pièces. Donc je répète pour ceux qui n'étaient pas là. Au départ, je devais faire des petits coffres forts, les trucs assez classiques qu'on voit dans les trésors. Mais en fait, je vais garder ça pour des cartes un peu plus spéciales, pour les catacombes, pour les cartes événements, etc. Parce que ça va être des cartes uniques. Donc là, je pourrais m'amuser à faire des trucs un peu particuliers.
Mais comme là, c'est des cartes qui reviennent quand même beaucoup. La carte de 20 pièces d'or, il y en a 10, il me semble. Oui. Non. Si. Il y a 10 cartes de 20 pièces d'or comme ça. Donc c'est des trucs qui reviennent assez souvent. Donc je mets des trucs assez génériques. Et donc du coup, je vais mettre plutôt des présentations de un peu comme quand on cherche des trésors. On cherche, parce que là, dans cette quête-là, il n'y a pas de pièces. Il n'y a pas de pièces comme dans un jeu Donjons et Dragons, par exemple, où tu rentres dans des pièces et tu cherches dans une bibliothèque ou quoi. Là, pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est que des couloirs. C'est un espèce de labyrinthe, en fait. Donc, c'est que des couloirs. Donc, je vais plutôt faire des présentations de pièces qui se retrouvaient là. Par accident, par erreur ou par mal, tu vois. Donc entre deux dalles, dans un cachet, dans une cruche, enfin des trucs comme ça où on les a vraiment trouvés, quoi. On les cherche en cherchant un peu. Parce que l'idée, c'est que on a entendu quand même dire qu'il y avait énormément d'aventuriers qui rentraient là-dedans, mais il y en a pas beaucoup qui en sortaient. Donc il y a sûrement de la thune. Et sûrement que le Minotaur, il en accumule pas mal aussi, donc... Donc là, on a un petit sac, parce que c'est quand même assez classique. Mais le deuxième, je pense que je vais faire entre deux dalles. Ou sous une dalle. Donc je vais faire une dalle comme ça. Enfin, j'ai trouvé une idée de présentation sympa. De toute façon, ce sera un gros plan, donc on verra pas grand-chose... de où c'est, en fait. À chaque fois, je vais faire des gros plans sur les pièces en question, pas trop sur le décor. Après, pour les cartes un peu plus spéciales dans les événements ou dans les catacombes, on mettra des trucs sympas, ouais. J'avais prévu de faire une tombe avec une armure d'une valeur de 200 pièces d'or, un truc comme ça. Pardon, les artefacts, par exemple. Il n'y a qu'une seule carte. Il n'y a qu'une seule carte de roi des voleurs. Donc là, je peux m'amuser à faire un truc assez spécifique. Elle sera accrochée autour d'un squelette, par exemple. Dans la bouche d'un squelette. Ben après, il faut que ça ouvre l'imagination de comment ça s'est retrouvé là. Donc comment ce petit sac s'est retrouvé dans la bouche du squelette. Il faut une bonne imagination là.
Mais ça va être l'occasion de faire des trucs cool, quoi. Des trucs que j'aime bien dessiner, des crânes, des trucs. Des mains un peu dégueu. Bah, si le sac est dans la bouche, de toute façon, hein, la bouche n'est pas fermée. Hein. Enfin, j'imagine. Alors, la partie triste, c'est que dès que j'ai fini mes cartes trésor, il va falloir que je fasse une pause pour faire les commandes. La commande de Raphaël, voire même la commande de Riku. Peut-être même la naine de Dame Hébert. Avant de revenir. Avant de revenir sur les cartes. Pourquoi t'es triste? Non, c'est pas triste dans le sens où c'est triste, c'est juste. C'est tellement bien lancé qu'on a envie que ça continue, quoi. On a envie de voir le jeu complet. Enfin, j'ai envie de voir le jeu complet, donc. Après, le fait d'avoir des commandes, c'est pas triste. Hein. C'est juste une pause. C'est pour ça que je voudrais finir le thème de ce que je suis en train de faire avant de faire cette pause. Donc, je voudrais finir les cartes trésors d'abord. Parce que bon, il y en a quand même 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes trésors. Donc, j'ai le temps de. Je pense que j'ai le temps de bien avancer dans avril. Hein. Surtout qu'entre-temps, il y a les vacances, donc ça aussi, ça va ralentir la manœuvre. Oh, merde. Parce que là, ils ont encore la semaine prochaine, après ils sont en vacances. Et là, le soir, tout le monde s'en fout. Hein. Toi aussi ? Donc j'essaie quand même de demander mon lundi soir et mon jeudi soir, même pendant les vacances, au minimum. Mais pendant la journée, il n'y aura plus de stream. Donc fini les jours où j'ai deux cartes de fête. Il faudra attendre la rentrée. Après, on a 9 semaines avant les grandes vacances. Il va falloir que ça soit noir derrière.
What's up? Captain Megapair. Comment ça va l'artiste? J'adore le scritch, scritch, scritch du papier, pas vous? C'est le chou, chou, chou. C'est le petit train. Tout le monde aime bien en général. Alors on n'a pas ça avec une tablette numérique, hein. Peut-être, bravo. J'hésite un peu. Non, juste trésor. Trésor, j'adore. On est en l'an 1123, on n'est pas en Lancôme. Il faudrait un petit bouton où ça fait. Ah, toi, t'étais parti sur les trésors de Kellogg's. Je pense que Manu était parti sur Lancôme. Ah bon? Ah, d'accord. Ok, moi j'étais parti. Hein. Trésor, j'adore. Je crois que c'était ça la référence. Excuse-moi. Donc, du coup, la blague est tombée à plat. Oui, mais les trésors de Kellogg sont bien meilleurs, t'as raison. Moi, j'adore, ça m'a fait surtout penser à Knorr. La marque de soupe. Non, pas du tout. C'est quand tu l'as dit que ça a fait titre. Mais attends, tu me fais un doute là. Est-ce que Trésor de Lancôme dit j'adore la fille ou c'est dans le Knorr que j'adore? Je me demande si c'est pas Knorr en fin de compte. Je crois que c'est Knorr, t'as raison. Knorr, j'adore. Ouais, en fait, je sais plus là, tu me fais le doute là.
Bref, personne n'était sur la même longueur d'onde, c'est très bien. Ça doit être les deux. Peut-être que c'est Knorr qui a fait une parodie. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a physiquement 20 pièces d'or là-dedans, quoi. C'est ça qui est rigolo. Enfin, je trouve rigolo. C'est un bon début. Heureux hasard. Un heureux hasard. C'est qui Zazar? Il a l'air heureux. À demain, batterie vide. Ok, à demain. Demain, on est quoi? Demain, on est vendredi. Ok, ok, ok. À demain. Bonne nuit, mon frère Orc. Minotaur Slayer. Oui, toute la journée. Toute la journée, c'est-à-dire. Oui, demain c'est vendredi, toute la journée, t'as raison. Une bonne vanne.
Ça va être une petite carte en soi assez simple, mais efficace. Un peu comme la clé. Un peu long, mais sympa. Je vais vraiment commencer à me demander si avoir des crayons de couleur sous la main, ce sera pas une mauvaise idée, parce qu'il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus rapides à faire au crayon de couleur. Je me dis, je fais mes aplats au crayon de couleur et je reviens par-dessus au stylo bille. Ça fera les mêmes effets, sauf que ça ira beaucoup plus vite et j'aurai beaucoup plus de coloris possibles. Après, on perd le prestige. Ah non, ça serait pas plus mal, ça serait même mieux. Après, on perd juste le prestige de dire c'est fait entièrement en stylo bille. La question est, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Mais je me pose encore la question.
me disais bien, j'entendais des bruits bizarres.
Pork Choc, good evening. How you doing? Welcome back. Oui, je l'ai raté. Joli. Padawan, allez, je file encore 40 minutes d'étaf et enfin dormir. Belle fin de journée à tous. Bye bye. Bye bye, Padawan. Bon courage. Essaye de dormir un peu quand même. Parce que le travail est plus difficile quand on dort pas assez. Je le sais, en ce moment, je le sens.
Oula. Ouais, ça commence. Je crois que pour cette scène, le mec il a changé de sa torche de main pour regarder de plus près. Et je pense qu'il tient la torche de la main droite là. Certains bords, certains bords de quoi? Les cuirs, tu le trouves qu'il est pas assez pourri le cuir? Je trouve le sac bien dégueulasse déjà moi. Gérer non plus là, c'est bon là, il est tout troué le sac, il est tout écorché, tout délavé.
Ok, alors, un petit peu de jaune dans tout ça quand même. Bling bling bling. Il est où mon jaune? Give me my gold. C'est pas ça que j'ai entendu tant tout à l'heure. Comme c'est mignon cette petite araignée qui essaye de monter sur mon dessin. Là, je vais juste écrire 20 dessus. C'est la quantité de pièces, c'est tout. C'est ça. T'as tout compris. C'est pour ça que j'ai froid déjà. Parfois j'ai froid parce que les donjons sont froids. C'était ce matin la mouche qui s'est pris la claque. Moi, je sais même plus là, entre mes streams du matin, les streams de l'après-midi, les streams du soir, je sais plus. Hier, on était mercredi, je crois pas que j'ai streamé hier. Si, j'ai streamé un petit peu hier soir.
de m'arrêter, en même temps j'ai envie de finir la carte. Bah non, c'est pour ça, c'est dommage.
Ok. Je crois que je vais faire quand même, je vais pas faire comme je pensais que ça allait être, je vais faire un mur derrière. Au départ c'était pas censé être un mur, mais c'est l'impression que ça donne, donc autant aller jusqu'au bout de cette idée. C'est pas grand chose de plus. Mais du coup, c'est un peu moins plat. Ok. Voilà, je vais gommer le tour. Vingt pièces d'or. Merci, merci. Bon, bah encore, c'est encore une de ces journées où je termine deux dessins le même jour. J'aime bien ces journées.
Ok. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là. Je reviens demain matin. Normalement, si je suis pas trop... Si je suis pas trop à chaise, parce que j'ai l'impression que chaque matin qui arrive est de plus en plus compliqué. Je pense que la petite nuit de lundi, ça m'a un peu décalé. Donc le plan, c'est de venir demain matin faire commencer la carte. Commencer la carte de 50 pièces d'or. Je vais regarder laquelle des idées qu'on a trouvées. Quelle est la mieux pour les 50 pièces d'or? Je pense que ce sera la cruche. Ou alors la dalle, on verra. En tout cas, à demain. Ou au plus tard, à dimanche soir. Même si je sais pas si je vais streamer, ce serait étonnant. Parce que dimanche, je vais passer l'après-midi à me faire courser par des gamins en orque pour la vallée des Saints. Donc, le week-end va être long, oui. Donc, j'en sais rien. On est dans l'inconnu, je pense, demain matin. Même si c'est pas toute la matinée, je viendrai quand même un petit peu, histoire de démarrer le truc. Ok ? À demain. Bonne nuit, merci Dame Hébert d'avoir été parmi nous aussi, merci Manu. Padawan, je pense que tu es parti d'aller te coucher, donc bonne nuit. Good night for all of you guys that was there. Merci à ceux qui ont regardé le replay jusqu'au bout, c'est bien. Et... on va aller faire un petit raid. Je vais aller scanner ça en attendant. Et puis on se dit à demain. Ok. Allez, bonne nuit. Et à demain. Salut.